dans l'épisode précédent. J'ai dit, faut partir. Mais je sais que tu as bien entré le sitaï. Tu dis quoi? Le pain. Qu'est-ce que ça? Oh, petit! Faut me laisser, tu m'as tué. Le pain, j'ai dit. Concernant le sida, on a toujours savoir si c'est une maladie qui existe. Sida, cette petite maladie existe vraiment. Eh oui, confrère. Bon, tu sais, je dois travailler. Donc, ce qu'on va faire, tu passes directement à la conclusion. Tu dis ce que tu avais dit. Parce que c'est, toi, c'est un peu complexe à expliquer. C'est ce pourquoi je comprends. Est-ce que cette maladie existe, confrère? Bon, la maladie existe. On peut continuer. Regarde-moi bien. Tu vois, tu as quoi? Est-ce que peut ressembler à quelqu'un qui peut avoir la maladie? En fait, déjà tu m'as répondu aux deux questions. Ce que j'ai dit, c'est la dénovation des sous-indiens. Je t'ai demandé la permission. Et pas de passant. Oui. Pas de m'amuser. Profiter un peu de la vie. Oui. Voilà. Et on connaît un garçon ne peut pas sortir sans la salle avec la petite. Et c'est là, le faux terrain là. Mon ami qui a les yeux fermés, des Chinois. Lui-même ne sait pas pourquoi il me suit à chaque fois. Il ne sait pas. C'est toi, tu le suis, mais c'est lui qui te suit. Non, grand frère, c'est lui qui me suit. Ok, bon, j'ai arrêté de marcher avec lui aujourd'hui. Continue. Voici que je te respecte. Donc, comme tu as arrêté de marcher avec lui, tu me respectes maintenant. Il ne me donnait pas un bon conseil. Ok, tant mieux. Oui, ce sont ces mêmes conseils la dernière fois. À Bassam, j'étais assis dans mon coin. Parce que je lui ai dit simplement que pendant les fêtes, j'avais besoin d'une petite. Il allait me trouver une fille là-bas. Je ne voulais pas de la fille, hein, sérieusement. Je ne voulais pas. Mais la fille était jolie. Piros, fais-moi tuer ta musique. Quand frère. Parle de ton problème, on va quitter ici. C'est mon problème là qui est là. C'est mon problème là qui est là. On y va, mais on parle vite. Piros. Mais quand frère. Je dois travailler. Comment faut que dans ce travail là. Ton petit frère est sérieux, papa, il faut l'écouter. Va, tu m'expliques le truc rapidement. Moi je vais travailler. Si moi je me laisse que tu as laissé travailler. Mais, attends. Tu viens te souhaiter ta mort devant ton grand frère. Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis. Enfin, la fille est là. Tu as quoi? Tu as sida, hein? Et qui t'a donné le résultat du test que tu as fait? Tu dis que tu as sida. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as su que tu as sida? C'est parce que le sida existe que j'ai su. Est-ce que ça va dans ta tête, mes Piros? C'est parce que le sida existe que tu as sida. Il y a la fille avec qui je suis sorti. J'ai un seul préservatif. Donc, tu as sida? Dès que la fille a eu sida. La fille, elle a le sida. Comme tu as couché avec elle, logiquement, tu as le sida aussi. Pas logiquement. Je n'ai pas utilisé de préservatif. Et c'est que tu comprends, grand frère. Elle a le sida. Donc, du coup, elle a le sida. Tu l'as. Tellement voulu ressembler au grand. Est-ce que toi, tu es un enfant, tu allais te comporter comme ça? On faisait pas enfant d'elle. Quand femme est jolie, on ne peut pas résister. Mais et puis, bon, rien ne prouve actuellement. Rien ne prouve que tu as le sida. Mais. Il doit travailler. Le problème, c'est que moi, je peux dire que je sens que j'ai le sida. Comment tu sens ça? Mais depuis la dernière fois, en tout cas, je ne me sens plus dans ma peau. J'ai remarqué que c'est devenu calme. Je dis, quand moi-même je marche, je sens qu'il y a les virus qui circulent dans mes veines. Bon, c'est ce qu'on va faire, hein. Faut pas trop te lamenter. Demain, on va se rendre à l'hôpital. On va vérifier cela parce qu'une fille ne va pas te dire qu'elle a le sida. Comme tu as couché avec elle, tu as le sida aussi, tu as même pleuré. Mais ce qu'on va faire demain, on se rendre à l'hôpital. Cette nuit, tu vas te reposer. Quand on peut guérir. Hé, Piros. Demain, on va se rendre à l'hôpital.
On va faire le test pour voir. Et puis ce qui va suivre, on va gérer. D'accord. Donc là, on va se reposer. Moi je travaille. Mon grand frère, ouais, il peut compter sur toi. Quand tu as un problème, c'est là que tu viens me voir. Mon grand frère. Le petit d'aujourd'hui, c'est comme ça vous êtes. Vous passez votre temps à chercher les petites filles dans le quartier et puis après vous venez dire, grand frère, je vais continuer mon travail.